Les informations à caractère sécuritaire nous intéressent encore aujourd'hui sur la télévision congolaise au cœur des investigations. Mesdames et messieurs, Mbote Bisika Bozali, Oyabino, journaliste Youssouf Kibingila, à David, journaliste d'investigation. J'en viens encore aujourd'hui pour vous mettre au parfum de l'actualité sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, sur le multiple ou les différentes formes de réformes que l'armée congolaise est en train d'amorcer aujourd'hui, où on en est aujourd'hui, avec les recrutements, avec la logistique, avec la politique de l'armée, les méthodes, les stratégies, les techniques, où on en sommes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a de lueur d'espoir que nous allons gagner cette guerre? Est-ce qu'il y a vraiment Elikia Oyezo moni sabiso ke bitumba oyo tokolonga yango? Est-ce que zana ba mwa signe oyo ezo pesa biso elikia ke lobito lobikuna bitumba eza ya biso tokolonga yango? C'est une des plus grandes questions aujourd'hui que nous devons nous poser. C'est une des plus grandes questions aujourd'hui que se posent les Congolais. C'est une des plus grandes questions aujourd'hui de savoir quand est-ce que la guerre d'agression rwandaise pourra finir. Quand est-ce que le FARDC pourra mettre à terme la guerre que nous sommes en train de subir à l'est de la République démocratique du Congo? Certaines autres personnes accusent le politicien d'être les personnes ou d'être celles-là qui freinent ou qui bloquent la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est vrai, d'une part ou d'une manière ou d'une autre, le politicien bloque la guerre. Est-ce que la guerre que nous sommes en train de subir aujourd'hui est politisée, ni sur le plan régional, sur le plan national, comme sur le plan international? Qu'est-ce que ces Congolais qui est à Sankourou, ces Congolais qui est à Walikale, ces Congolais qui est à Luozi, à Uvira, à Mweneditu, à Tikapa, à Tilendjelu, celui qui est à Maïndombe, qu'est-ce qu'il est censé comprendre sur la guerre à l'est de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'il y a des injonctions que les militaires reçoivent de la part des politiciens qui seraient d'une manière ou d'une autre le frein de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo? Pourquoi est-ce que nous ne déclarons pas la guerre directe aujourd'hui avec le Rwanda? Pourquoi est-ce que les autorités congolaises continuent aussi à se déployer dans différents fronts, voulais-je dire, afin de coincer le Rwanda? Nous avions vu exactement, même le président congolais, il s'est encore déployé, il s'est encore repêché. Il est arrivé au niveau de Paris avant-hier, hier, et il a participé à la première journée du 19e sommet de la francophonie, de l'Organisation internationale de la francophonie. Tout cela, nous sommes en train d'observer comment est-ce que le gouvernement congolais se penche aussi grand sur la partie diplomatique. Sur le plan militaire, est-ce que cela est délaissé? On en parlera tout au long de cette émission sur Congo Live Télévision. Le directeur général également, ça sera le deuxième point, le directeur général adjoint du Congo Airways, de la compagnie Congo Airways, a été suspendu. On en saura plus pourquoi il a été suspendu. Et enfin, nous allons finir sur la francophonie qui a débuté hier, qui prendra part. Donc c'est hier et aujourd'hui, vendredi et aujourd'hui samedi. Le Congo semble encore être oublié selon plusieurs Congolais. On en parlera, on a parlé de la guerre, on a évoqué la question de ces pays qui connaissent la guerre. Aujourd'hui, ces pays-là qui sont en train de traverser un moment dur de guerre, mais la RDC a semblé être encore oubliée sur plusieurs soupçons. Alors, lolenge na lobaki yango na ebandeli ya manaka na biso eza pe honneur de vous savoir nombreux sur la télévision congolaise au cœur des investigations Congo Live Télévision. De différentes unités des forces armées de la République démocratique du Congo ont défilé ce vendredi lors d'une parade spéciale tenue en présence des responsables de l'armée congolaise et des polices nationales au cas Kokolo, dans le centre de Kinshasa. Ces derniers ont manifesté leur force de vouloir bien déterminer la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, na première volée déjà Tokolobela, lolenga bozota na ba image ndenge zo défilé, ba force armée de la République démocratique du Congo. Lor parade na bango o bazaki na bango na ka Kokolo, basala ki pe défilé
po basala ba illustration bamonisa lolenge nini bazali mapinga ya ekolo bamonisa lolenge nini bazali mapinga oyo ezali ko bunda pe kolonga bitumba mukolo mwalelo. C'est la première des choses. Cela manifeste aussi ezape signe ya koebisa batu nyonso oyo bazalaki kokanisa d'une manière ou d'une autre que ba effectif ezate bazalaki kokanisa d'une manière ou d'une autre que ba eloko ya kosalela bitumba ezate que biloko oyo esengeli bitumba na biso tosala yango pe tosilisa yango biso moko lolenge yango ezate. Wana deja eza eyano ya mituna na bango. Eza koloba eke, din manière, bitumba oyo tozo sibir, eza ya agression, comme cela a été prouvé même aux yeux des Nations Unies par ses experts, keza bitumba ya agression oyo tozo sibir. Mena, ba ye oyo ba yali kokanisa lelo ke, biso, na ngambo na biso, toza tena makoki ya kosala face na Rwanda, selo plusieurs sources, même à Bakongole, oyo ba akotie la motema bisika armé na biso ezali balobi batwana bazoko mi kosa. Vous le voyez sur ces images. Lolenge nini ba akotambola ba image bien que ezaki ya agence mosusu oyo ya ACP agence ya Congo oyo ya bapanzi sango bak oyo batu bazwaki ba image wana mais koloba make eza na eloko moko oyo batu singeli bayeba mapinga ma ekolo mazali na makoki bazali na mpifo mpifo oyo ya kosala ke bango balonga bitumba eza pe eyano ya mutuna to ya mituna oyo bakongole ba komituna mukolo mwalelo wane zali ya yambo c'est-à-dire na kote moko ba FRDC bazana makoki au travers ba démonstration ba monisi biso au travers ba eloko na bango ebele to komona ba déploiement na bango na kati ya mboka même à Goma ba renforcement na bango boni ba jeune oyo baza ko zala recruter baza ko augmenter du jour au lendemain wana nyoso eza ba eyano ya mituna ya ba oyo ba kanisaka ke bazana makokite ya kusala bitumba na Rwanda c'est-à-dire déjà réponse ya liboso déjà yano ya liboso za koloba eke ba FRDC bazali na makoki bazali na mpifo ya kosala bitumba na Rwanda soki sikoyo bazali na bazali na makoki ya kosala bitumba na Rwanda nini oyo eza kosala bango ke basala yango te wana nde mutu na siko bisika eyeli selo groupe moko ya ba analyste indépendant oyo baza kale na matière sécuritaire. Ça c'est tokende tranche par tranche. Selo tranche ya liboso ya ba analyste indépendant oyo baza vraiment kale na kati ya matière sécuritaire ba koyebisa biso boye. Soki ba FRDC ba yali kosala lelo bitumba direct na Rwanda te eza te ke bazangi makoki ya kosala yango. Wana eza ba analyste oyo bazali ko analyser lolenge wana. Vis-à-vis na état dans ton situation actuelle oyo tozo lekela na kati ya mboka na biso c'est-à-dire ils ont la force ba congolais wana bazana makoki ya kosala bitumba mais kosala yango te kosala yango te donc lolenge ya kosala yango eza te yango nde zangi bango mais eza te ke po bazo beta d'une manière directe te Rwanda ke bazangi makoki ya kosala bitumba yango. Lolenga nini bango bazo kanisa sikoyo ba analyste oyo bazo ebisa biso ke ba FRDC bazali na makoki mais bazo beta Rwanda te bazolo baboe. Lorsque mboka ezolekela bitumba ça c'est sont les analystes maintenant indépendants batu bazo analyser les kambwala ndenge wana. Lorsque mboka ezolekela bitumba bitumba ezala kaka te sur le plan militaire c'est-à-dire ba poursuivre kaka te nzela ya kobetana ba landela kape nzela ya ko solola c'est-à-dire boluki ba partenaire oyo ba kosunga bino kosalisa bino koyebisa oyo mutu azo agresser bino atika wana eza ya liboso bokoluka ba partenaire oyo ba kosunga bino kozwa ba sanction contre mutu oyo azo agresser bino parce que normalement
ba mboka ebele ezala kaka na ba organisation soit ekozala CDAO ba mikuti na kati ekozala AS ba mikuti na kati ekozala SADC ba mikuti na kati ekozala EAC ba mikuti na kati ba mboka nyoso ezala kana ba organisation oyo ezala kana kati alors boko sala pere cour na ba mboka minene minene oyo bozana na kati nango na ba organisation tolobi tosali nyoso na moyen diplomatique ba pekisa Rwanda Rwanda ba boy. To sali nyoso, Rwanda ba sanctionné, bazo sanctionné jusqu'à cette heure, bazo sanctionné bangote, ezape lolenge ba analiste wana, ba akolobela likambo. Alors, oyo bisika tozali, nous avions certes entendu, mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi, yo alobaki, tokobeta Rwanda, partir à son labiso, tokobeta Rwanda, partir à son labiso, tokobeta Rwanda, mais tobeta kite. Nini oyo ba analiste wana bazo loba. Lolenge maintenant, to épuisé banzela nyoso oyo ya diplomatie et simbité to kozwa batu nyoso oyo to bengaki bango ba assisté biloko tozolekela bazala ba témoin ya eloko oyo to kosalela Rwanda wana likanisi ya ba analyste indépendant c'est-à-dire ebele balobi que on devrait d'abord se rassurer que to silisi banzela nyoso soki diplomatie et foutité. C'est-à-dire, tokozongela nzela yako betana. Raison pour laquelle, selon toujours ba analyste, ba kolobake, eloko wana ezo salema, eza eloko moko Rwanda eko yako regrete après. Parce que, réellement, ata tolobi effectif, ata tolobi nini, bazana makokite yako sala bitumba na biso. Donc, bozu deja e yano binonyo soubimitu na raba question, si boni bazana makoki, me bazo sala bitumba, c'est-à-dire, bazo lande la pen zela wana, o yako loba, to ya diplomatie, ba mona lo lenge nini, so ki réponse to e yano e ye kunate, ba kozala oblige, ko sala bitumba. Voilà, alors, tozui, deuxième question, deuxième point. On a ebisaki bino koloba République démocratique du Congo, comme l'a signalé lors ya deuxième, ya ouverture la deuxième session à l'Assemblée nationale au niveau ya Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale congolaise, Vital Kamerhe, a lobaki na eke, soki okeyi na Congo, soki oyé na Côte d'Ivoire, oyo ki sentiment ya joie omoni lolenge nini mboka ezo continuer mais soki okeyi na RDC vous allez retrouver que ezana sentiment ya tristesse to ya chagrin ya mawa ya kolinga olela lolenge nini makambo ezo salema cela est justifié le retard ya mboka selo Vital Kamerhe ndenga lobaki eza justifié na bitumba oyo mboka ezo lekela. Ba compagnie na biso oya aviation, ba compagnie na biso oya transport maritime, ba compagnie na biso oya Transco, ba compagnie na biso ebele ebele boyoka lolenge nini ba mirmire zaki ko susciter na chef ya ba congolais ko loba lolenge nini makambo zo salima boye mais tozo tambola tozo sala boye un peu après toyoki suspension ya directeur adjoint ya compagnie aérienne Air Congo Airways. Le directeur général et le directeur général adjoint de Congo Airways, compagnie d'aviation de la République démocratique du Congo, ont été suspendus pour notamment inobservance des résolutions du conseil d'administration, voulais-je dire, mauvaise gestion financière et des ressources humaines. Par le ministre de portefeuille Jean Lissier Boussa. Dans un arrêt signé vendredi, parvenu na ba média ebele ndenge zo tambola na kati ya ba média ba directeur mi balewana sadir oyo azali titulaire na oyo azali adjoint ba fandisi bango na nu mwandambo vis-à-vis na makambo oyo ezo leka. Considéra que le ressort à charge du directeur général de Congo Airways SA, société anonyme, avait conseil d'administration des indices suffisamment graves et concorda na ba charge na ye oyo et salike azo to sape conseil d'administration te oyo bazo ebisabango. Parce que zala kana directeur et zape na conseil d'administration. Lolenge nyoso ba entreprise ya l'été zalaka et zala ngambo moko. Conseil d'administration, et zapena ngambo mousousou,
directeur to lolengenini ba service ezali, c'est-à-dire conseil d'administration wana ba siège aka pona ko étudier lolengenini entreprise ezokende gestion ya oyo bazotia lokola ba chef ya ba organisation, ba chef ya ba entreprise, mais lolenge bango bataleli likambo eza koloba vraiment eza na tina te batu mibale wana ba continuer parce que ba charge oyo batemi bango bien que tunanu to parvenir koyeba ba vrai motif te au-delà de oyo ezo circuler na ba réseaux sociaux, mais koyeba oyo ezali vraiment ya kati na kati wana koyekola est-ce que baza ba incompétent, est-ce que ba iba kimbongo, est-ce que bazali ko buma entreprise, est-ce que mituna nyonso wana ezali, et puis tozo timola na se pour que toyeba lolenge nini makambo ekoleka na kati ya mboka na biso. Nani esengeli batia eza pe mituna bato bazo mituna lelo, nani esengeli batia, nani esengeli batika, soki batie ye est-ce que akosunga mboka na biso na kokende liboso. Les dames et messieurs, nous sommes presque à la fin. Il y a Manaka na biso ya lelo to yambaki bino boyala ki ebele kolanda biso sur Congo Live Télévision, ba information pe kili kili na kati ya mboka na biso koyebake jusqu'aujourd'hui bitumba ezaka na kati ya mboka na biso, bitumba ezaka na est ya mboka na biso. Tozomona lolenge nini bakonzi ya Congo bazali kotambola, baza kolukisa kimia, baza kubundisa, baza kosala maemanso oyo eza na makoki na bango pour que ba rétablir kimia pe boboto na kati ya mboka na biso, bien que nanu ezongi te, mais tozosenga na bakonzi nyonso oyo bazali ko talela likambo wana, basa na bango nyonso oyo esengeli basala pour vike kimia ezonga na kati ya mboka na biso. Mokonzi wa ekolo, mokonzi tato tata wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi aza na Paris na France akomaki avant lobito lobi kuna etiki koleka na butu vraiment ezaki na butu ne akomaki na a Paris po a participer na 19e session ya Organisation Internationale ya Francophonie to ya Francophonie, a kutanaki na bakonzi ebele bomonaki pe ba curiosité eza esisite na chef ba congolais koyeba non koma eske akutani na photo moko na Paul Kagame, parce que bon, moi là qui peut ma image, et tambola qui, comme on a le président congolais, trois autres personnes qui séparent le président congolais et le président rwandais. Différemment, na oyo to mona ki na sommet en Chine, président rwandais, c'est là qui na liboso, président congolais, c'est là qui sima. Donc, et ça qui moko na ebandeli, moussous na souka, ya ligne, le lenge ba tambola kato, le lenge ba telemaka. Et le moment où balingi ba zwa bango ba photope, mituna ebele. Ezala ki sisite ya ba kongole koyo kokoye ba eke makambo nini oyo mokonzi ya mboka zo sala wana ba kongole batu bazolo ba yango mo makambo nini mokonzi ya mboka zo sala me boni ya kokende na ba organisation oyo eko sala ki mboka na biso ezwa destabilisation. Est-ce que batu wana bazo sunga biso wana esko eza ba kongole na kati ya mboka bisika tozali na kati ya Kongo, ba kongole o bazo tcholola bazo mirmire bazo tala lolenge nini likambo elekaki na kati ya ouverture ya 19e sommet ya francophonie. Grave encore eza koyoka discours ya président français oyo eyokamaki wana nde esalaki ke ba kongole ebele, voire même dans la ville de Goma, voire même à l'est de la République démocratique du Congo, to monaki bango to yokaki bango bazo mi plaindre koloba eke est-ce que sort ya RDC basi ba bosani yango. C'est une question o bazo mi tuna, est-ce que le sort de la RDC serait oublié par ba organisation o ya monde? C'est une question que plusieurs Congolais se demandaient hier. Donc après juste à l'ici ya discours ya président français Emmanuel Macron, plusieurs Congolais vraiment batika qui n'a pas questionné ma koyo ko la koyo babon total. Peut-être aujourd'hui comme c'est la continuité à deuxième journée pe la fin ya sommet wana to mona, peut-être on essaiera un peu de parler de la RDC, mais pourquoi parler de la RDC juste en présence ya Paul Kagame? Tout ça sont des questions qui se soulèvent dans les chefs de la population congolaise. Et ça peut mituna ebele ezo mituna pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé de la RDC? C'est les Congolais toujours qui demandent ça. Ba Congolais bazo tuna bino boza en France boyoka ki balobi RDC na vidéo biso to monaki RDC toyoka ki angote. Ba Congolais mirmire mbandi ko mata non la France batu ya francophonie bazo go sunga mboka na biso te. Est-ce que
Vous pensez aussi que Macron dénoncerait ce que la RDC est en train de subir aujourd'hui, juste en présence de Paul Kagame? Parce que le président français était là, le président congolais, le président rwandais étaient là, sauf trois présidents africains. Il n'y a que trois présidents africains qui n'ont pas participé à cela. Tout le monde a qui m'a affiché en Ouattara, Madame Oyaza, secrétaire générale, il y a Francophonie, à Lubaki, Angokoutou, il y a trois pays africains. Oyo et participe à quitter na sommet wana pe bazo invité bango baya trois pays wana et ça va pays moko ya Sahel sans même citer le nom, vous le savez très bien. Trois pays Oyo c'est sali AS na bango, il y a Niger, il y a Mali et Burkina Faso. Oyo ba boycotta ki balobi ba ko kendete na likambo Oyo ezoleka de l'autre côté, parce que selon bango ba estimer lelo Eza et le Kouanandé ont déstabilisé Afrique. C'est le bango. C'est le et ils estiment que Eza Batouanandé ont déstabilisé Afrique. Alors ils ne voient pas l'importance Yakokende. Nakat Yabasome Toba organisation O Esalemi aussi longtemps. Sor Nabango Eza très bien étudié. Qu'est-ce que vous pensez? C'est même la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous pensez de cette organisation de la francophonie? Le fait que la RDC n'a pas été citée parmi le pays aussi qui sont en train de subir la guerre. Aujourd'hui, l'Ukraine, on l'a cité, on a cité Liban, on a cité d'autres pays, mais la RDC n'a pas été citée. Une chose qui a suscité une grande curiosité dans les chefs de la population congolaise. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous pensez de cela? Affichez dans les commentaires. Nous sommes à la fin de cette émission sur votre chaîne Congo Live Télévision. J'étais Youssoufou Kibingila David. Je vous remercie d'avoir été nombreux à nous suivre à ce jour. Vous avez la possibilité de commenter, de partager la vidéo, mais également de vous abonner si vous ne l'avez pas encore réalisé. Parlez en commentaire, pensez avec nous en commentaire, commentez ce que vous pensez sur la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Les dames et messieurs, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end chez vous et à la prochaine pour d'autres actualités.